Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve. Je sais que vous kiffez mon nouveau micro les gars, je sais que vous kiffez. On se retrouve les gars pour tout simplement, custom la toute nouvelle voiture. C'est la voiture d'Halloween. Elle est juste ici devant nous, la petite voiture d'Halloween. Halloween est disponible. Grosse cylindrée. Elle a quand même une forme assez bizarre, on dirait une sorte de limousine. Alors je sais pas dans les commentaires ce que c'est comme voiture, si vous connaissez un peu, vous pouvez me dire dans la vraie vie, elle ressemble à ça, Alors on a pas mal de petites nouveautés Rockstar en ce moment, c'est vrai que on parle pas beaucoup des nouveautés avec la salle Eden. On a pas mal de nouveautés, on a des modes rivalité, on a pas mal de modes qui permettent d'avoir le double XP et tout. Si jamais vous avez envie de cliquer ce week-end, n'hésitez pas à tester les nouveaux modes. D'ailleurs on a testé le nouveau mode et la vidéo elle sortira demain. À 9h, vous aurez le tout nouveau mode. Mais là, on va aller custom la voiture. Je vais vous montrer quand même le prix, qui est quand même pour moi assez choquant pour un DLC Halloween, pour une surprise. 1,5 million. Voilà. 1 499 000. Bon, pour moi, je dirais 1,5 million. Donc, c'est la Albany Brigham. Donc, c'est une voiture des années 50, apparemment. Voilà. Une petite break. Ils disent que. Un corbillard, tout à fait. Ah ouais. Ça servait comme corbillard. Regardez le coffre, c'est pour ça qu'elle est grosse comme ça. En tout cas, je la trouve hyper belle. Moi, cette voiture, les gars, vraiment, ça fait vraiment thème Halloween. On va essayer de la custom en mode Halloween, tu vois, parce que c'est vrai que c'est le thème. Là, je vais pas mettre, pas faire une custom genre beauté, je vais vraiment faire une custom mode Halloween, tu vois. Donc, déjà, on remarque que les roues sont custom alors que j'ai pas custom, tu vois. Alors, on va mettre le blindage à fond, finition. Alors on a finition chromée ou deux séries. On va mettre chromée, tiens. Train de course, pare-choc. Alors pare-choc lisse, couleur 1, je pense. On a plusieurs pare-choc. Pare-choc là. Mais nous, on va mettre le pare-choc de roue. on va mettre lui avec la roue, c'est pas mal ça avec la roue. Moteur niveau 4. Échappement, alors on a échappement de série chromée, double chromée. Oh c'est pas mal ça les... Ah j'aime bien ceux-là. Les courts là c'est très beau. Regardez sur le côté là. Après il y a le long, mais bon le long je suis pas trop fan en vrai. Je préfère regarder cet aspect un peu chromé... Et vraiment court, il y en a 3 qui sortent, c'est pas mal. Calandre, alors on a calandre de série, horizontale, verticale, agressif couleur 1. Je pense qu'on va mettre agressif chromé. Capot. Oh, capot avec les brumes, c'est pas mal. Et on a ensuite... Le vrai capot, on a moulage, capot de série, capot ouverture, triple ouverture. Oh, il est magnifique comme ça, les gars. Et ça, on n'avait jamais vu, les gars. Waouh, ouais, stylé le crâne. Je ultra kiffe. Ah, ça, après, c'est vraiment en mode type d'intérieur. On a brancard. Oh, brancard, c'est pas mal. On a cercueil ou brancard. Eh, j'aime trop le nouveau véhicule, les gars. Moi, je pense que je vais mettre brancard en vrai. Éclairage. Parc Xénon. On va mettre un peu néon, un peu rouge comme ça, genre en mode Halloween. Alors, motif. Qu'est-ce qu'on a comme motif? On a celui-ci. On a lui. Ok. Alors là, ça fait pas du tout Halloween. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Oh, pas mal celui-là, les gars. Ah ouais, magnifique. Alors moi, je vous ai dit, je vais custom vraiment en mode Halloween, quoi. Alors, rétroviseur, qu'est-ce qu'on a en termes de rétroviseur? On en a pas mal. On va partir sur les vintage, je pense. Plaque. On va mettre la plaque noire. Peinture. Alors, peinture, c'est... Alors, déjà, couleur finition... Est-ce qu'on partirait sur... Non, couleur finition, on va pas toucher. Par contre, en termes de métallisé, qu'est-ce qui pourrait bien ressortir avec ça? Je pense que...
pense que je vais mettre du mat noir. Voilà. Ah, c'est très beau comme ça. Le toit. Accessoire de toit. Oh, on a des gyrophares, double gyrophare, urgence. Ah ouais, stylé. Ça fait pas trop Halloween en vrai. Moi, oh, je pense qu'un double gyrophare, c'est pas mal. Après, ah, on a ça aussi. Ok, j'avais pas vu ça. Planche de surf. Oh, toit surélevé, c'est magnifique. Et vraiment, les gars, je valide totalement ce nouveau véhicule, les gars, d'Halloween. Suspension, on va laisser normal. Transmission de course, turbo. Roue, alors roue. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça? Alors déjà, ça, c'est des véhicules muscle car. Bah, je pense qu'on va laisser de série en vrai. Pneus, on va mettre comme ça. Couleur des pneus, on s'en fout. Alors, fumée des pneus, on va mettre rouge. Parce que c'est le mode Halloween, tu vois. Vitre limousine. Et on a fini. Ok, voilà ma customisation, les gars, du tout nouveau véhicule d'Halloween qui est trop trop beau. Je kiffe la tête de mort. Le motif est incroyable. Waouh, il est incroyable. Alors on va sortir voir ce que ça donne de nuit. Oh my god. Je ultra kiffe. Waouh, en fait c'est un corbillard quoi. Bon, en termes de tenue de route, c'est pas ouf. Il est quand même assez lourd. C'est vrai qu'on a vraiment la. Parce que j'ai demandé à des gens du Discord ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit que c'est vrai que le véhicule était quand même assez lourd. Et qu'il avait cette sorte de. Bah, tout simplement, les gars. De lourdeur. Et qu'il n'était pas en mode véhicule. Cylindré, il était plus en mode véhicule un peu limousine, etc. Après, ouais, c'est vrai que ouais, il est lourd. Hein. Il est lourd. Hein. Regardez, on sent qu'on tourne. Oh, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, du coup, je vais aller au cimetière, hein, les gars. On va aller ramener le corbillard, les gars. On va aller ramener notre corps, les gars. Regardez, hop. Oh, il a du mal, hein. Il a vraiment du mal. Je vais ouvrir le coffre pour voir ce que ça donne. Alors, attendez. Véhicule. Alors, attendez. Partie au brand toute. Waouh! C'est incroyable le fait d'avoir ça dans une voiture, quoi, les gars. Un brancard dans une voiture, mais c'est incroyable. Il est vraiment vraiment beau. La tête de mort, je ultra kiffe. Ouais. Alors je valide totalement vraiment ce nouveau véhicule qui est très beau. Après, bon, le prix pour moi c'est un peu cheaté. Je vais pas vous mentir. Mais sinon, je valide totalement, les gars. Le corbillard, magnifique. Le brancard derrière, c'est trop beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous validez ou pas la customisation. Sur ce, on cesse là-dessus. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.